Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc voilà, en fait il est déjà 10h15. On a lavé les petits, on les a habillés. Ensuite je suis partie me laver pendant que mon chéri est en train de s'occuper des petits en bas. Donc voilà, je voulais vous parler aussi du poids. Je sais pas s'il y en a ici qui font des régimes ou qui ont tendance à faire de la boulimie ou autre. Bah, s'il y en a qui, si des personnes ayant vécu ça, pourraient me donner des petites infos parce que ces derniers temps, je ne fais que de manger, 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 manger. Bon, après, boulimie ne veut pas dire se faire vomir. Moi, je garde tout en fait. Et voilà mon gros problème. Et du coup, ça fait que je prends énormément de poids. Et moralement, bah, c'est plus possible. Je ne le supporte plus en fait. Je ne supporte plus du tout de vivre comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui ont déjà vécu, parce que je pense que vous pouvez me comprendre. Là, j'en ai vraiment un ras-le-bol total. J'ai vraiment envie de stopper net. Voilà, sauf que c'est pas. Bah voilà, on claque pas des doigts et ça s'arrête pas comme ça. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement, mais c'est plus possible quoi. Enfin, déjà, je pense que je vais prendre rendez-vous chez le médecin. Bah voilà, lui en parler, lui dire que voilà, je pense faire de la boulimie parce que je mange, je mange, je mange. Je vois un gâteau devant moi, faut que je le mange. Mes petits n'ont pas fini leurs assiettes, faut que je mange. Voilà quoi, c'est vraiment horrible, c'est vraiment horrible à vivre. Donc voilà, je sais pas ce que en fait, vous voyez, tout est situé ici. Et vous voyez, bah, tout le monde me dit, mais t'es enceinte, t'attends un quatrième. Ouais, non, non, je suis juste un peu grosse quoi. Après, niveau des jambes, voilà, je me plains pas parce que niveau des jambes, bah, je suis satisfaite, hein. Je sais pas, voilà, je suis pas énorme en bas. Je suis pas non plus fine, mais voilà, je me trouve pas grosse du bas. Mais alors, au niveau d'ici et des bras, je vais vous montrer. Des bras, enfin voilà, c'est plus possible pour moi, quoi. Donc, voilà, faut vraiment que je fasse quelque chose, que je me fasse aider. Et voilà, hein, de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de secret. Parce que, ok, tout le monde va me dire, oui, mais tu sais. Amy, tu as eu des jumeaux, nanana. Je fais, il y en a, elles ont eu des jumeaux, elles sont comme ça. Et moi, je suis comme ça. Donc, non, ça va plus. C'est plus possible. C'est, je mange, genre, je vois des pâtes. Voilà. Dédicace à Karen, Team Pasta. Je vois des pâtes. Je suis obligée de me gaver de pâtes. Limite, je mangerai un kilo de pâtes, ben, je mangerai un kilo de pâtes. Je sais pas. Voilà. J'ai ce souci-là, tout ce qui est féculent, pâtes, riz, blé, voilà, hein, toutes ces petites choses-là. C'est je suis obligée de manger, 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 manger jusqu'à temps que mon ventre il explose, quoi. Donc non, j'en peux vraiment plus. Et voilà, donc c'était la minute blabla du jour, hein, j'avais besoin de m'exprimer, besoin d'en parler. De voir s'il y a des personnes qui ont déjà vécu ça, si elles ont des solutions pour moi, enfin, ou des explications, enfin voilà, parce que mon chéri, j'ai pas envie de lui dire, voilà, aide-moi, enfin voilà, il va m'aider, mais pas peut-être pas de la manière que j'attendrais de lui, donc voilà, au final, ça va me saouler et je vais encore abandonner, quoi. Et puis vous savez, j'ai beau faire, enfin, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'avais stoppé pendant 7-8 ans. Là, j'avais repris il n'y a pas longtemps. Je faisais que gonfler, gonfler, gonfler avec le sport. Même si à côté, je mangeais bien, j'évitais de grignoter et tout, mais bon. Donc là, déjà, je pense que je vais refaire le plein de légumes déjà. Tout ce qui est légumes verts. Les féculents, je vais peut-être essayer de diminuer parce que je suis quand même accro à ça, donc je pense que je vais essayer de diminuer et peut-être stopper, mais bon, stopper, je ne sais pas si ça sera la solution non plus. Ensuite, dès que j'aurai faim, je pense que je vais bah, m'acheter des pommes, des fruits, tout ça. Je pense que dès que j'aurai faim, bah voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas de secret. Si j'ai faim, au lieu de grignoter des gâteaux ou du pain avec du Nutella,
Bah voilà, je prendrais un fruit, hein. Je vois pas d'autre solution, hein. Voilà quoi. Enfin, au final, ça m'énerve un peu, quoi. Parce que je sais que je fais mal les choses, mais après voilà, il y a aussi ce problème de boulimie. Je sais pas. Faudrait que j'y réussisse à m'en sortir et parce que j'ai quand même 27 ans, hein, vivre depuis toutes ces années en faisant du yo-yo. J'ai grossi, maigri, au final, enfin voilà, je viens à saturation, je voudrais avoir un poids stable, je voudrais déjà perdre au moins, allez, on va dire 20 kilos, je sais pas combien de kilos vous me donnez, mais bon, je pense que vous allez me donner moins que ce que je fais, donc voilà, hein, j'espère vraiment réussir à trouver la bonne fourchette de poids, et voilà, hein, stabiliser et rester toujours au même poids, parce que quand je vais dans des magasins, je vois quelque chose qui me plaît, bah voilà, je peux pas m'habiller comme je veux parce que ben, je me sens pas à l'aise. Voilà. Je vais me voir un beau jean avec un beau t-shirt et tout. Sauf que ça va être un t-shirt peut-être trop moulant ou trop court. Ben voilà, hein, du coup, je vais me sentir très 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 mal et je vais être frustrée et par derrière, je vais bouffer une tonne, quoi. Tellement j'aurais été blasée. Donc voilà. Voilà, j'avais vraiment envie de vous expliquer ça. Après, je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être me critiquer, d'autres qui vont m'aider, mais bon, voilà, au moins j'en aurai parlé et ça me permettra aussi de revoir cette vidéo et peut-être me faire vraiment un big électrochoc pour arrêter tout ça, ou alors vraiment se faire aider. Voilà. Maintenant, je vais aller en bas avec les petits. Je vais aller faire à manger. Je vais aller vite fait publier sur Insta, Facebook et YouTube. D'ailleurs, YouTube. Je suis en train de faire une vidéo YouTube, mais j'arrive pas à dire YouTube. Enfin, voilà. Enfin, bref. Du coup, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, je leur ai mis Baby Boss. Ils ont l'air de bien aimer. Coucou Maëlle! Qu'est-ce que tu manges? Papa, il a donné quoi? Du fromage? Avant de manger? Hein? N'importe quoi. T'envoies un bisou? Envoie un bisou. C'est bien naïf. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Oh! Du coup, ce midi, vu que je vais essayer de remanger correctement, j'ai fait des haricots verts avec des champignons et moi je me suis fait un petit poisson pané. Et du coup, j'ai fait des steaks hachés. Comment? J'ai fait des steaks hachés pour les petits, pour mon homme et Luna. Eux, ils mangent un steak pour deux. Voilà! Tu fais une belle bosse sur le front. Il voulait rentrer dans la hein? maison. T'es tombé? Et Naïm a eu peur. Ouais, il a peur des avions. Ouais, donc il voulait ouvrir la porte de la maison pour rentrer. Donc là, on va déposer Luna à l'école. Et ce soir, il y a la kermesse. Voilà, et ce soir, il y a sa kermesse. Je pense que maman va filmer, mais pas trop. Oui, voilà, on verra bien ce qu'on va filmer. Il fait chaud. Allez, c'est parti. C'est parti. Mon chéri est parti, donc je disais à Bricorama parce qu'il cherche des clous, des vis, je sais plus ce qu'il veut pour refaire le canapé. On a été chez Action, comme je vous disais, et là ce qu'on va faire, je pense qu'on va aller faire un petit tour à Leclerc. Moi je recherche encore des Funko Pop que je n'ai pas, donc du coup on va aller voir si je peux trouver quelque chose. Sinon j'attends encore plein de colis de Funko Pop. Et j'ai pris un abonnement sur le site Pop in a Box, donc de 2 pop par mois, aléatoire. Donc ça veut dire que je recevrai des pop surprises. Donc par contre, vous dites si vous avez déjà la pop, vous mettez dans collection. Si vous n'aimez pas, vous mettez j'aime pas. Et si vous la voulez, vous mettez j'aime en gros. Et eux, en fait, ils font la sélection et ils vous envoient en gros les pop que vous n'avez pas encore.
Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, voilà mon lien parrainage. Ça vous donne droit à 15%, il me semble, sur votre première commande. Donc, je trouve que c'est sympa. Voilà, donc on se retrouve après. Donc voilà, on revient de la ville, on est parti récupérer Luna à l'école. Mais ouais, après, il faut râler à il faut l'école. retourner à l'école parce qu'il y a la kermesse. Vas-y, on a reçu un colis. J'aime bien les colis. Ah, donc ça, c'est les DVD et tout, les livres. Maman avait commandé des livres pour mes frères. Voilà, trois DVD ça. D'un coup. Hein. Et donc, on a Alice. Oh oui, celui-là, je voulais te regarder. La Belle et la Bête. Vous êtes trop regardé celui-ci. Et Miss Peregrine et les enfants je peux les regarder. Particuliers. On peut le regarder sur. Oui, on regardera tout à l'heure. Donc voilà, parce que j'ai commencé une nouvelle collection de DVD, donc Walt Disney, mais celui-là, c'est pas un Walt Disney, mais j'avais vraiment envie de le regarder. Je peux aller donner à mes frères les livres. Il a l'air super bien en plus. Et ils ont nos quatre encore. Ils ont déjà trois. Ouais, ça et leur là, fait. Leur... Ça leur fait trois livres en tout. Ensuite, à Action. Vas-y. J'ai pris ce livre Pixel pour Luna. Oui. Parce qu'elle aime bien sur tablette faire ses. Pixels. Faire des pixels. Moi, je me suis repris une brosse comme ça parce que je les adore. J'ai et la vu que même. Luna me pique tout le temps la mienne, en fait, je me suis dit, tiens, bah, je vais m'en racheter une. Et voilà. Et des chaussons pour ses ah oui, pieds. Et j'ai acheté des chaussons aussi pour les pieds. Donc, ça fait super effet. Moi, j'adore. Je ne sais pas s'il y en a qui ont testé, mais elles sont nickel. J'ai aussi acheté des élastiques pour Luna, mais j'ai dû les oublier dans la voiture. Bon, on va aller se préparer pour la kermesse et puis après, on y va. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, ça y est, Maëlle n'est pas content. Oui, on va aller à la kermesse. Là, on part à la kermesse. Du coup, papa, il est parti changer Mnaïm parce qu'il avait fait caca, le oui. petit coquin. Moi, j'ai plus de chaise parce que là... Et on a retiré le siège à Luna parce que maintenant elle a dépassé le poids et elle est très très grande pour son âge. En maternelle, j'étais la plus grande de ma classe. Bah oui. Donc voilà. Suffit, bon, plus. J'ai pris mon Canon pour faire des photos au cas où et puis j'espère que ce sera bien quand même parce que l'année dernière c'était pas terrible. T'as fini de pleurer? Alors? Dès que tu le filmes, il arrête. T'es malin? Oui. Bon allez, je vous retrouve tout à l'heure. La quoi, Luna? Un chat. On est on à dirait la un tigre hein, pourtant. Hein. Bon, je vais faire d'autres. Tu t'es vu? Vas-y, tu t'es vu? Oui. Mais t'arrêtes. Qu'est-ce que tu manges? Il a étalé toutes ses chips sur le banc, bah oui. C'est bon ton plat. Mmh. C'est ton plat favori, Naïm. Maman mange une chips. Ok, de tombola. On va voir ce qu'on a gagné. Bonjour. Bonjour. Voilà. Merci. Merci. Voilà ce que j'ai gagné.
tu as gagné, Luna? Des élastiques. Des... comment on appelle ça déjà? Des louboum ou je sais plus quoi. Ça, c'est des élastiques. On a aussi gagné ça. Plein de petites choses. Ça, un polo Lacoste. Tout pour les dents. Des petites crèmes. Enfin, des petits gels douche ou je ne sais plus quoi. Voilà, une pelle à tarte. Et un spinner. Donc là, je pense qu'on va aller manger un petit bout. Enfin, même pas, parce qu'on a mangé un sandwich là-haut. Moi, on va aller coucher les petits. Et puis, on va aller se poser tranquillement. On va faire un petit live et on va regarder un petit film. Oui, voilà. Donc voilà, bah, nous, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.